Il y a des jours où le moral n'est pas bon, le ciel est bas et lourd, une torpeur bien morose. Peut-être que je sens que rien ne sera plus comme avant. Pourtant, lorsqu'il le disait, je me disais, parlez pour vous. La fin d'une époque, je dirais plutôt la fin d'un monde. Car l'époque de l'insouciance, ça fait longtemps qu'elle n'est plus là. Curieuse sensation, car le décor est toujours le même. En apparence, rien n'a changé, mais en un rien de temps, tout peut sauter. J'ai l'impression que c'est fini, que nous sommes au terme du sursis. Il ne s'agira pas de sauver notre vie, mais notre âme pour faire partie des bénis. Oui, j'ai l'impression que c'est fini, que nous sommes au terme du sursis. Il ne s'agira pas de sauver notre vie, mais notre âme pour faire partie des bénis. C'est comme si quelque chose s'était brisé à tout jamais, comme s'il n'y avait plus d'espoir, comme si le pire était à venir, le calme avant la tempête. Oui, c'est peut-être ce moment-là, on voudrait croire que ça va s'arranger, mais au fond, on sait tous que c'est faux. J'aimerais trouver de l'espoir, mais comment le pourrais-je? Les hommes ne croient plus en Dieu, ils ont signé leur arrêt de mort. Il n'y a donc rien d'autre à faire qu'à attendre que ça pète. Triste réalité, pas étonnant que certains jours j'ai le cafard. J'ai l'impression que c'est fini, que nous sommes au terme du sursis. Il ne s'agira pas de sauver notre vie, mais notre âme pour faire partie des bénis. Oui, j'ai l'impression que c'est fini, que nous sommes au terme du sursis. Il ne s'agira pas de sauver notre vie, mais notre âme pour faire partie des bénis. Yo.